tous, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de Spirou. Donc on s'était retrouvés, on avait fini tout le troisième monde à 100% et on a eu juste après le rivage au dragon qui est apparu. Et apparemment pour voir dans le théâtre il faut récupérer 10 jetons, donc il y a des petites attractions à faire, donc on est parti pour le faire. Bienvenue dans nos montagnes russes! Mais ici, au rivage, on ne se contente pas de foncer. Si tu fais sauter tous les ballons sur la voie, il y aura un jeton pour toi. Prêt à essayer? Oui. Fais attention à tous les autres. La piste est plutôt bondée aujourd'hui. Expose tous les ballons. Ah oui, on peut sauter comme ça. Ok. Raté. Ouh, ça doit faire mal. Tu veux tenter ta chance une nouvelle fois? Oui. Fais attention à tous les autres. La piste est plutôt bondée aujourd'hui. Alors, 25 ballons. Faut pas sauter sur les bébés. Ça y est, c'est déjà fait. Et 25. Bien joué, dragon. Voici un jeton pour toi. D'accord. Très bien. J'actionne un interrupteur et tu peux essayer davantage de pistes. Voyons si tu pourras continuer d'éclater les ballons. On va d'abord aller peut-être voir autre Les chose. montagnes russes, ce n'est pas pour tout le monde. Reviens quand tu voudras. On reviendra après. On va d'abord découvrir les autres attractions. De toute façon, il nous en faut 10, donc il n'y a pas 10 attractions. C'est gratuit! Tu n'avances pas d'argent et tu ne fais pas de paiement mensuel. En revanche, je te donne un jeton. Je ne peux t'en donner plus, mais tu as le droit de passer autant de fois que tu veux. Oui. Saute à bord, mon ami! Pour faire quoi? Juste se promener? Je me vois pas. Ah oui, là. D'accord. Comme promis, voici ton jeton. Il semble Quand tu là, auras un 10 jeton. jetons, va visiter le théâtre des rivages dragons. Merci. Celui-là, c'est facile à avoir des jetons. Ensuite, Salut, ici. Spiro! Il paraît que tu vises plutôt bien. Tu veux tenter ta chance dans mon stand? Bien sûr. Très bien. Je règle le compte à rebours. Ah, il y en a au fond là-bas, je l'ai même pas vu. Voici un jeton. Merci. Tu es prêt pour une nouvelle manche? Non, on bon, continue de découvrir. Souviens-toi, j'ai des jetons à te donner si tu veux revenir et essayer. Y a quoi d'autre encore à essayer? Ici? Non, ça doit être le théâtre ici. Justement. Salut, mon jeune ami. J'aimerais te laisser entrer dans le théâtre des rivages dragons, mais tu n'as pas gagné assez de jetons. Et c'est d'abord d'autres attractions. Ok. Bah, je crois que j'ai fait toutes les attractions. Celui-là, on l'a fait. Ah non, il y en a là-bas. Ça, c'est quoi? 10 000 et 64. C'est juste me donner un pouvoir comme ça.
D'accord. Ici. Approche, Spyro, et regarde ce que nous avons pour toi aujourd'hui. À l'intérieur de ce stand, tu trouveras les créatures les plus cruelles que tu aies jamais vues. Et si tu essayais avec ces balles, vise, tire sur la cible, et regarde les terrifiantes créatures s'effondrer dans l'eau. Ne t'en fais pas, ça ne les blesse pas. Alors, c'était amusant, non? Tu as bien mérité de remporter ce jeton. Ok. Ça va vite. Tu peux encore essayer si tu veux. Ah. C'est jamais le même monstre, d'accord. Bon, là, ça sert pas à grand chose. Ok, donc on a fait tous les stands. On voit pas d'autres. Non. Bon, bon, on va en refaire des comme ça. En attendant d'avoir les 10 pour pouvoir aller voir le thé. Ah, il y a quoi par là? Tu es prêt pour une nouvelle manche? Ah oui, c'était les canards. Oui. Très bien, je règle le compte à rebours. Ah, c'est plus des canards. Très joli. Voici un jeton. Ouais, et de 5. Prêt pour une nouvelle manche? Bon, mais souviens-toi, j'ai des... Détruire les bonhommes. Ouais. J'aime bien. C'est simple. De toute façon, il nous en manque. Eh oh. Ouh. Non, tu veux pas? Ah, d'accord. La balle est déjà posée. Il nous attend. Mais la misère au boss qui nous ont fait la misère. Allez. Nous en faut 5. On en fait tomber 5. C'est plutôt facile, non? Tiens, voici encore un jeton. Merci bien. Encore 4. Tu peux encore essayer si tu veux. Ouf. Waouh, tu vises vraiment comme un pro. Prends ça, c'est mon dernier jeton. Après, on ira certainement refaire des tirs. Tu peux encore essayer si tu veux. Bien visé, mais je n'ai plus de jetons. Que cela ne t'empêche pas de continuer. Bah si, je vais pas en faire pour rien, je cherche des jetons. Faire un coup de... Un coup de cœur là, claque. J'ai dit autant de fois qu'on voulait. Tu es revenu faire un petit tour en bâton? Pourquoi pas? Saute à bord, mon ami! Allez, et un tour de bateau, et un. On en fait des tours quand même. Ah, l'argent comment? Bon, le plaisir, hein, Spyro. Tu as déjà reçu ton jeton, mais reviens quand tu voudras. L'arnaque! Il nous donne pas de jeton. Bah alors. Ici. Tu es prêt pour une nouvelle manche? Oui. Très bien, je règle le... 8 à tuer. Elles sont bizarres leurs fourmis. Tiens.
6, 7 et un petit dernier, et voilà. Super! Voici mon dernier jeton. Ah bah quoi qu'il arrive, il faut faire... Reviens quand tu voudras, Spiron. Il m'en manque deux, donc il faut refaire le train. Donc si lui en a plus, lui il doit m'en donner encore deux. Tu veux réessayer les montagnes russes? Fais attention à tous les autres. La piste est plutôt bondée. Explose tous les ballons. Il en faut 50. On peut pas tirer. Je sais pas comment faire pour changer les rails. Apparemment, faut juste tourner. Ah bien. Ah, ça a pas marché. Là, il y a bébé, donc ça peut pas marcher. Ça doit être juste celle que j'ai vue la première et que j'ai pas essayé. Celle-là, non, même pas celle-là. Celle-là, on l'a prise. Celle qui va arriver, tourner à fond à gauche ici, ça veut pas. Ça a marché là. Ouais, c'est bizarre. Je crois qu'il faut prendre les deux joysticks en fait pour tourner. Je crois que j'arrive à tourner là, mais le bébé, comment le tuer et le pousser? 41 pour l'instant. Ah mince, ça va marcher. Alors j'essaye un peu tous les boutons. Hein. Olé. Et voilà, 47, 48, 49 et 250. Hé, hey, pas mal. Voici un autre jeton. En voilà 9. Il reste encore un parcours. Rien ne t'arrête. Cette fois, tu vas aussi devoir utiliser le canon installé sur la voiture pour tirer sur les ballons. Est-ce que tu veux essayer? Bah oui. De toute façon, on n'a pas le choix, il nous faut encore la dernière pièce. La piste est plutôt bondée aujourd'hui. Allez, notre dernière pièce, et après on aura le droit au théâtre et ça sera terminé pour le Spyro 2. J'ai trouvé plus court que le Spyro 1 hein, quand même. Je sais pas si c'est une idée, vous me direz, mais j'ai l'impression qu'il était plus court.
39. Par là, on a tout vu, c'est bon. Je crois que là où il nous manque, c'est là où il y a les bébés. J'en ai pas loupé les rouges. 46, 47, 48, 49 et 50. Parfait. Waouh, tu es vraiment doué. Tu as gravi la montagne russe. Voici mon dernier jeton. Merci, monsieur. Tu veux continuer juste pour le plaisir? Non. C'est les montagnes russes, ce n'est pas pour tout le monde. Reviens. D'accord, au revoir. Un de ces jours. Là, je veux aller voir mon théâtre. C'est par là. J'ai les 10 jetons, là, monsieur. 10 jetons. Je peux y aller. Allez, pète ta porte, là. Hé, hey, Spiro, c'est ton jour de chance. Tu as réussi à gagner assez de jetons pour entrer dans le théâtre des Rivages Dragons. Vas-y, et profite du spectacle. Merci. Que la porte s'ouvre. Il nous faut des vacances. Voilà nos dragons. Je suis en faune en douille. Pas de dragon merveilleux. Fais de ton mieux, mon gars, beau. Gloops à table, Spiro, tu as réussi, bande d'imbéciles, quoi encore, toi, viens Spark. C'est voir des films en fait. Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud et ensoleillé. Oh, c'est la cinématique du début, ça. J'y suis pas retourné depuis qu'on a botté les fesses de Gnork. Ça te dit, Sparks? T'as envie de bronzer sur la plage? Le dernier arrivé est à Gnork! Ils nous font revoir les cinématiques de tout, en fait. Ça marche, professeur? Presque. Il faut seulement que je rajuste ces orbes et... C'est peut-être pas une bonne idée, après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Ripto encore plus en colère. Arrête, chasseur, et tiens-toi tranquille. Mais tu as vu le livre du professeur? Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça. Ils ont l'air bien plus dangereux que Ripto. C'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto, tu le sais bien. Ça marche! Ça marche! Voilà notre dragon! Wow! Quel atterrissage! Salut! C'est par où? La plage? Hey, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais vu un dragon ou quoi? Tu es un dragon? Ça te pose un problème, le minou? Bien, bien. On dirait qu'on a oublié de m'inviter à la fête. On essaye de me cacher quelque... En fait, voilà, ouais, c'est vraiment... Il remonte les cinématiques. Spiro, tu as réussi. C'est ça. Viens Sparte. Ça va devenir cinématique. Donc on va se laisser sur cette vidéo de fin de cinématique. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode de Spirou 2. On se retrouvera bientôt pour Spirou 3. On ne pourra jamais assez te remercier, Spirou.
pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Des dragons et il me reste des vacances à prendre. J'en ai besoin plus que jamais. Avant que tu partes, je pense que Richard a envie de te donner quelque chose. Ah non, certainement pas. Chasseur. Spiro, Richard est vraiment désolé de t'avoir fait payer si cher pendant ton séjour à Avalar. Nous voulons que tu gardes les gemmes en récompense de ton aide. Waouh, merci. Sparks, tu peux les prendre? Laisse-moi juste taper les nouvelles coordonnées et voilà! Spiro, tu peux aller au rivage dragon! Hé, hey, vous devriez venir avec moi! Vous avez sûrement besoin de vacances! C'est malheureusement impossible, Spiro. Ripto est hors d'état, mais il a eu le temps de causer beaucoup de dégâts. On parle de semaines de nettoyage. Mais souviens-toi que tu peux toujours revenir à Avalar via les rivages dragons si t'en as envie. Bon, très bien. Viens, Sparks. On a des tas de jours de vacances en retard. Yeah. Ok. Bon, bah, je vous dis au revoir, à très bientôt.